tous, c'est Matt29 et on se retrouve sur Farming Simulator 15 pour la suite de notre carrière sur la All Southern Map. Donc, du coup, c'est parti. Donc, j'enlève tous les trucs de date et tout ça, ça m'énerve. Ok. Alors, ici, j'ai créé donc une course. Donc, du coup, le semoir va nous faire d'abord les allers-retours dans le champ et après, il va faire un détourage. Donc, normalement, on va voir si c'est bon. Oui, du coup, il faut mettre semi, sinon ça ne marchera pas. C'est parti. Donc, du coup, si tout va bien, il nous fait d'abord l'intérieur du champ. Et après, il nous fait les détourages de champ. Si tout va bien. Hein. Bon, je vais le laisser travailler parce que sinon, il va être emmerdé. Donc, du coup, là, j'ai mis du nitrate sur ce champ parce qu'il n'était pas trop bien. Alors, du coup, GL600, champ 23. On va mettre du coup en semi. Et top. Ah, faut peut-être démarrer. Allez, vas-y, je t'en prie. Et puis c'est tout. De toute manière, j'ai que. Ah oui, c'est vrai que j'en ai un autre normalement, des tracteurs. Bon, celui-ci, on va le laisser là. Par contre, celui-ci, ce que je vais lui faire, moi. Oh, purée. Paf. Voilà. On va aller prendre le semoir à maïs. Et on va aller semer tout simplement du maïs sur le champ 22. Comme ça, ce sera fait. Donc là, cette fois-ci, c'est maïs, colza. Merde. Attendez, j'aime bien la vue intérieure. Moi. Et en même temps, ça fait moins de bruit. Stop. Je vais trop vite. Donc on attache. Et on met le PTO. Et c'est parti. Je vais peut-être faire un remplissage, tiens d'ailleurs. Tant que je suis là. Et après, pour remplir. J'ai le pick-up si jamais j'en ai besoin. Bah. Il veut pas se remplir lui. Alors que pourtant. Pourtant je suis à côté du. Du trigger là. Ah voilà, ça y est. Donc on va attendre que ça se remplisse. Donc pour l'instant on va peut-être étendre le rouge. Mais bon, c'est pas grave. Vu qu'on peut louer les machines. Bah, on a les machines principales, hein, les moissonneuses. Et tout ça, donc c'est bon. Alors du coup, ici, je me prends Vaderstadt champ 22. Donc je la prends la course. Alors, le point de démarrage, il est... bah, et pas compliqué. Tu fais la petite loupe là, il va te dire où il est. Bah, il est où? Il est là. Parce que là, je le vois pas. Moi. En fait, là, c'est pour afficher le premier point, mais je le vois pas. Ah non, c'est ça, il est là-bas, je suis con. Voilà, il est là. Hop là. Hop, stop. Et donc, je démarre. Pas la bonne remorque, bah oui, forcément, c'est ce mort qu'il faut prendre. C'est pas grave, il va se remettre normalement. J'espère pour moi. Oui, voyez.
Donc ça c'est fait. Donc du coup je le laisse là. Et donc logiquement, par contre, ça je veux pas. Traceur, j'en veux pas. Pas besoin de traceur, non. Ça sent la merdouille. Normalement, après, il va faire le tour directement. Donc, on va le laisser travailler tranquille, hein. Ce que je vais faire. Voilà. Donc les petites perles qu'il y a dans le champ, c'est tout simplement l'azote et puis le... Oh merde. Le PK et puis le N. Du sol mode. Hein. J'ai fait un traitement parce que je voyais qu'il manquait de nutriments pour en N et en PK sur les champs. Du coup j'en ai mis. Mais par contre là ça va pas le faire ça. Bon après il a l'air de reprendre comme il faut. La planteuse elle est à 53%. Tout ce qu'on va faire c'est qu'on va sauter dans le pick-up. Excusez-moi de cette petite coupure, mais en fait c'est un programme qui s'est lancé juste pile poil quand j'étais dans le jeu, c'est super cool, mais c'est chiant. Du coup, je vais prendre le pick-up et je vais me préparer. Alors je pense que le semoir, ou du moins l'outil qui sera vite le premier, à mon avis, ça va être le la planteuse. Donc on va attendre. Donc la planteuse, normalement, pour y accéder, je peux passer par là si je veux. Donc on va aller tout simplement à la planteuse. Donc bien sûr, après, il restera à semer le champ 15, le champ 16 et 18 en colza. Oh, merde. Bien, c'est même pas nous, donc je m'en fous. Bref. Pas mal. Après, ce que je vais faire, en fait, il faudra que je me mette là plutôt. Par contre, je sais pas. Ah non, c'est ça, c'est dans l'autre sens. Bah, en fait, ce qu'il faudra que je fasse, c'est que je me mette juste dans le bon sens, et puis c'est tout, hein. On va attendre qu'elle fasse demi-tour. Et après, on sera dans le bon sens. Par contre, normalement, c'est que quand il est dans le rouge qui se remplit. Donc, bon, on verra. Il va s'arrêter dès qu'il sera en train de se remplir. J'ai même pas besoin de régler normalement. On va juste attendre qu'il se lance. Ah, il veut pas encore. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en marche arrière. Je vais aussi vite en marche arrière qu'en marche avant avec celui-là, donc. Là, il va s'arrêter dès qu'il sera vide, donc. Il va me demander de la remplir. Il va s'arrêter là et puis après il va repartir dès qu'il sera plein.
Alors j'ai peut-être la... On aura peut-être le temps. Attendez, on va se mettre dans l'absence. Parce qu'à mon avis, j'aurai le temps. Je pense que ça va tomber sur ce côté-là. Ce serait bien. Bah, quand il est dans ce sens-là. Hein. Normalement, quand il se remplit, par contre, il se coupe. Il s'arrête. Hein. Par contre, je suis en train de prendre un dégât monstre en allant sur un champ avec celui-là. Ah, il fonce lui. Pas longtemps parce qu'il est vide. Ah. Donc il faut que j'aille dedans quoi. Non, 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 attends. Putain, il est con. Il est con ou il fait exprès? N'importe quoi. Eh, hey, tu m'as oublié un rang, toi. Mais si. Enfin, j'aurais dû l'arrêter. J'aurais dû l'arrêter, et puis... Mais bon, tant pis. Bon, au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter juste au coin, et puis on va le remplir. Par contre, je suis en train de prendre des dégâts monstres, moi. Attendez. Oh merde. Oh merde. Fais chier. Oh, fais chier. Par contre, j'avais pas vu qu'il était mort. Bon, bah écoutez ce qu'on va faire. Je vais devoir aller chercher. Par contre, non. Ah, celui-ci, c'est bon, il a bientôt fini. Il va faire son petit tour tranquille. Je vais juste l'arrêter, celui-ci. On va juste. Alors, normalement, il ne faut pas rouler sur ce qu'on a déjà planté. Mais bon. Par contre, j'ai l'impression que ça fait vachement mal. Le fait de rouler sur un champ qui est déchaumé. Du moins, sur cette carte. Parce que sur certaines cartes, ça c'est très bien avec le dommage mode. Il n'y a aucun souci, mais là, apparemment, il aime pas. Mais ce que je vais faire, avant de faire quoi que ce soit, merde, déjà allumé ce con. Par contre, je crois que je vais devoir m'acheter ou louer le pick-up qui permet de réparer les véhicules. Bon, bah, je vais casser mon véhicule, tant pis. Paf! Il va tomber en panne. Il va être à 100. Allez! Bon, bah alors là, j'ai plus qu'une chose à faire. Je vais le louer, tant pis pour l'instant. Du coup, c'est voiture. Et c'est le. Il est où celui-là? Le Ford qui permet de réparer. Donc, du coup, je vais le louer parce que j'aurai pas assez d'argent. Et je vais louer pour 1 heure. Tant pis. Et du coup, je vais le prendre. Je vais aller le chercher. Il est où?
Voilà. En espérant que je vais pas me prendre des dégâts importants. Alors par contre, au niveau vue, on n'est pas très bien dedans, c'est de la merde. Par contre, il sert beaucoup. Je vais juste le garder, juste le temps de semer, parce qu'à mon avis, ça va encore tomber dessus moi. Alors, ce qui est bien avec celui-là. Merde, c'était par où déjà? Non, c'est l'autre intersection. C'est qu'en fait, on passe juste à côté des véhicules, on appuie sur W. Et puis, c'est parti. Donc, on a le pick-up qui est mort. Le pick-up qui permet de remplir les semoirs. Et on a aussi le. Comment ça s'appelle? Le Tempo 6 qui est mort. Je vais peut-être commencer par le tempo. Je sais pas où il est d'ailleurs. Bah lui il est en train de faire son détourage tranquille. Ok, donc le tempo il est juste là. Donc ça veut dire qu'il m'a loupé tout un truc. Alors moi j'ai juste à passer à côté. Par contre je vais me faire avoir ce niveau de l'argent, ça va être super cool. Ah oui, normalement il affiche combien il y avait de repas. En même temps, il peut servir de ravitaillement hein, au niveau de l'essence. Alors là, on est déjà ici. On a une réparation de 11 375 euros. C'est super. Donc, ce qui fait qu'on a plus qu'on est à moins 20 000. Ah, super, je viens de prendre 1%. Et là, on est à combien? 16 000. Je vais réparer et puis après on va arrêter parce que là ça commence à coûter cher. Bon, je vais peut-être. Ou alors on peut se le garder pour nous ou faire comme si on avait voilà, loué un Ford. On va dire c'est notre véhicule de réparation. Bon, on l'a loué, mais bon. Après, je pourrais l'acheter, quoi. Mais pour l'instant, non, mais je sais pas. Ou alors, on le garde comme véhicule de réparateur qui va nous. Je vais le laisser là en attendant, j'ai pas le temps de paroter. Donc, celui-ci, il a pas terminé, forcément. Ce couillon. Ah merde. Ce couillon, il a trop souffert. Ça, je pense que c'est dans les virages. Parce que dans les virages, même le champ, hein, parce que le champ, il a l'air d'être chiant aussi. Hein. Quand on roule sur un truc déchaumé, voilà ce que ça fait. Ça fait bondir le tracteur. C'est super chiant. C'est super chiant, du moins. Du coup, je sais pas du tout où c'était le. Est-ce qu'on peut juste voir? Le semoir, il devait être là, je pense. Aïe, il est en train de. Voilà. Je pense qu'on était là. Voilà. Allez, vas-y. Du coup, je vais enlever tous les trucs parce que ça, sinon, ça fait trop de choses à voir.
Ah, il repart. Mais à mon avis, il va encore se viander comme un porc. Donc lui, il a terminé. Et du coup, je vais le lancer sur l'autre champ. Donc je vais arrêter la course ici. On va supprimer la course. On va l'enlever d'ici ou pas. Non, non, je vais pas l'enlever. Mais en fait, si, on peut l'enlever. Parce que sinon, ça fait beaucoup trop, je trouve, de courses après. Et puis, celles-là, elles sont vachement faciles à faire, hein. Donc, champ 16. Et du coup, on fait deux détourages juste après, après les allers-retours. Donc là, je vais mettre en nord-ouest vers l'est. Je vais entamer. Donc du coup, celui-ci, on va le mettre là. Je vais l'enregistrer comme ça, je sais que c'est ça. Donc semi radar stall champ 16. Ok. Du coup, je fais juste un démarrage de course et puis il va nous d'abord nous faire des allers-retours et ensuite il nous fera tout simplement le détourage du champ. Bon, celui-ci je l'ai rempli ou pas? Non, parce que forcément. Oh putain, ouais. Et on est à moins 37 000, hein. Je dis ça, je dis rien. Je vais aller tranquillement pour éviter de me prendre des dégâts dessus. Et après, je vais le mettre ailleurs parce que sinon, je vais me prendre. Du coup. Ah, c'est vrai, il faut démarrer le tracteur. Hein, purée. Bon, après, il n'y a plus qu'à relancer. Hein. Une fois que c'est prêt. Hop là, je relance. Hop. Voilà, donc du coup ça m'a pris temps. Ce que je vais faire à la limite maintenant. Je vais me mettre là. Je vais le mettre là et puis on va attendre. Putain, c'est chiant quand ça fait des dégâts comme ça, c'est chiant. Bah lui il va encore se prendre des dégâts à mon avis. Oh, je sais comment faire. Bah là je vais être obligé de le suivre, hein, parce que sinon il va se faire il va encore me donner des dégâts et puis après il va plus pouvoir semer parce qu'il sera complètement mort. Donc, je vais être obligé de prendre le Ford. Ah shit. Ça c'est vraiment chiant. De toute manière, quand c'est trop, quand c'est au-dessus des 50%, ça répare pas à la ferme. Donc je suis obligé de. Ça, et même celui-ci, quand je vais trop vite, il se prend des dégâts. Hein. Faut arrêter. Attends, juste quand il va passer, W. Paf! Par contre, là, on va se retrouver à moins 52 000. Ça va être super. Je sais pas à tous les combien de temps il faudra que je fasse. Parce que là il est qu'à 14, donc ça va encore. Alors du coup là j'ai réduit un peu le champ. Hein, j'ai mis de l'herbe là où c'était trop petit, ça m'énervait. Et puis passer au pluvé là-dedans, c'est même pas la peine. Donc du coup j'ai préféré mettre de l'herbe à la place et puis faire un champ plutôt comme ceci, quoi. Donc c'est vraiment c'est bien fait, je trouve. Voilà, il va encore se prendre les roues dans le PTO.
Voilà, super, 34%. Par contre, c'est con, mais je l'ai pas mis. Il est temps que je le mette, je crois. Je vais le mettre où celui-là? Bah, location. Question idiote. Réponse idiote. Je vais le laisser là. Alors, celui-ci, ça va. On est à moins 6, moins 60 000. Non, lui, en fait, il faut que j'attende qu'il finisse. Dès qu'il arrivera à 10%, je le mettrai en pause la course, et je viendrai avec le pick-up tranquillement pour le re-remplir. Ah bah, il y a un qui est plein, c'est celui-là. Donc du coup, ce que je vais faire, voilà. Comme ça, il va repartir. Mais du coup, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Et puis, ça sera bon pour aujourd'hui. Donc, du coup, pour la prochaine fois, je finis la semi du champ 16, celle du champ 22 et du champ 23. Du coup, on se dit à la prochaine. Donc, du coup, aussi à demain pour du farming 16, cette fois-ci sur PS Vita. D'ici là, ben, portez-vous bien. Et puis à demain. Allez, n'oubliez pas les commentaires, les pouces bleus et de vous abonner. Allez, ciao ciao et à demain.